Et c'est quand même très bizarre que le jeu bloque à ce point. Oups. Mais ça se trouve en fait au village, j'ai dû rater des trucs. Sûrement ça en fait. Par contre, c'est un peu chiant qu'on puisse pas. Qu'on puisse pas en faire plusieurs d'un coup. Puissance du Mankai. Il n'y a pas l'air d'en avoir ici. Là, il y en a plein. Je pense que ça doit être bon. Alors là, on est en train de faire sa danse. Sur le dans le village que j'ai pas vu.
rien voir ici. Il est là. Ah, ça devrait le faire. Ah. Enfin, le moment est venu. Tous les arbres du village sont revenus à la vie. Il tente de libérer la force de la terre. Il tente d'exécuter la danse de Konohana. Je vais ramener l'esprit de l'arbre sacré Konohana. Saké de la bravoure. D'abord, je vais devoir briser mon vœu de sobriété. Je vais délicatement siroter ce saké, puis la nature renaîtra à nouveau. Délicatement. Ah oui, d'accord, la mandarine, elle a bien fleuri. Tu es sûr que ça va? Tu me fais peur. Une boule de neige, Isoum. Vous allez être témoin de quelque chose d'unique. Inclinez-vous devant le secret des secrets. Je vous donne la danse de Konohana. Ah mais la mandarine, elle a repris une taille normale. Mince, j'ai mis trop de temps. Ça n'a pas marché, pas du tout. L'arbre devait éclore en un embrasement de fleurs. La danse Konohana ne serait-elle qu'un mythe? Non, ce n'est pas possible. Je n'abandonnerai pas. Je continuerai jusqu'à ce que Konohana fleurisse de nouveau. Tous les gens sont des fraudins. C'est nous qui sommes obligés de faire leur boulot. C'est abusé. Allez, le Mankai. Okay.
Voilà, maintenant il est trop bourré. Oh, mère Amaterasu. Sakuya, tu es en vie et tu... Tu as l'air en pleine forme. Petite puce, je vois que tu es toujours pleine d'énergie. Je dois également remercier ce noble vieillard. Quelle bravoure, il t'a servi à rien. Les simples mots ne pourront jamais exprimer toute la gratitude. Merci à tous, je suis désormais totalement épanoui. Ah oui, effectivement. Bien sûr, celle qui mérite mes plus respectueux remerciements n'est autre que la glorieuse déesse du soleil, Amaterasu. Oui, logique. Je ne peux vous promettre que le Nippon soit déjà sauvé, mais si vous revivifiez, revivifiez les arbres gardiens dessinés à travers le pays, vous bénéficierez également du pouvoir qui en découle. Je vais rester à Kamiki et prier pour le succès de votre mission. J'attends avec impatience le jour où nous nous reverrons. Espérons le plus tard possible. Que le pouvoir des fleurs et de la nature soit avec vous. Et avec votre esprit. Oula, quoi encore? Quelle constellation du coup? Ah, du singe! Non! Quoi ici? Mais le singe, on l'avait pas déjà eu? Oh, Amaterasu, déesse du soleil et reine des plaines célestes! Trop longtemps je me suis caché dans le village de Kamiki. Mais le temps est venu où moi, Azugami, je dois me dévoiler. Que mon pouvoir puisse vous aider dans votre noble quête. Pour tous les pinceaux, c'était Azugami. Grâce au pouvoir du nénuphar, il peut créer des feuilles aquatiques. Trop bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir traverser l'eau. Tu peux les utiliser pour traverser les grands plans d'eau. Allez, essaye. Par ici, Yama. Ok, ok, ok. J'avais repéré ce coffre sur cette île depuis un moment. Essaye de créer des feuilles de nénuphar. Utilisées comme des plateformes jusqu'à l'île. La technique du nénuphar permet de créer des feuilles aquatiques. Tu n'as qu'à tracer des cercles sur l'eau. Allez, boule de poil, montre-moi ton coup de pinceau. Ah, c'est dommage qu'il faille faire juste des cercles. Qu'est-ce que tu fais en deux? Arrête de faire n'importe quoi. Mais je viens de dessiner un cercle. Ah, quand même. Eh oh, inutile de sourire de satisfaction comme ça. Bref, on n'a plus à se préoccuper d'être ennuyé. Je sais, maintenant que tu as ce nouveau pouvoir, utilisons-le pour découvrir de nouveaux horizons. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un canal qui menait à la forêt. Oui, je m'en souviens. Notre petite Sakuya a retrouvé des couleurs, mais il y a encore un tas d'arbres gardiens qui attendent d'être revigorés. Eh ben, allons-y!
doit en recréer un, évidemment. Vous obtenez un fragment solaire. C'est l'équivalent des quarts de cœur dans Zelda. Mais non, c'est une blague. Ceci est une arnaque. Mais non. Ah, quand même. C'est vrai, c'est plusieurs fois. Un trèfle. Ok, parfait. C'était par là, je crois. J'avais oublié le facteur. Sombre. Parfait. Voilà. Ah oui, faut faire la bombe. La forêt d'Agatha. Un zoom me dit que c'est propagé jusqu'à cette forêt. J'aurais pensé que le mal ne pouvait survivre dans un endroit si vert. C'est vraiment du sérieux cette malédiction.
les descendre. Sac aliment herbe. Ok. Par là c'est bloqué. Il y a l'arbre qui est là-bas, à moins que ce soit de là où je viens. Oui, c'est de là-bas que je venais. Ah, il y a un miroir. Regarde ça. Qu'est-ce que cette maison fait là? Personne ne pourrait vivre dans une zone si infestée. Très beau là les. D'accord. C'est le rocher. J'étais en train de le dire aussi. Oula, mon cercle il était pas ouf. Oula. Paraît quelque chose. Du coup, ça a été considéré comme accompli. Ok. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il a ce coffre? Je suis sûr qu'il contient un super trésor. Oui mais je peux pas l'ouvrir. En train de brûler. On va sauvegarder.